Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait j'ai décidé de réorganiser ma bibliothèque. Malheureusement j'habite dans un espace un petit peu restreint et du coup je me retrouve à devoir faire régulièrement du tri dans mes livres, chose que je viens de faire, j'en ai enlevé à peu près une cinquantaine si je ne me trompe pas. En fait le problème c'est que du coup là je commençais à me retrouver à faire du Tetris dans tous les sens, ça ressemblait plus à rien. Donc j'ai enlevé d'anciens livres que j'ai lus qui m'avaient plu mais sans franchement marquer. Et du coup là j'ai décidé de, au passage, complètement réorganiser la bibliothèque, histoire d'avoir l'impression d'en avoir une nouvelle. Et bien voilà, c'est terminé pour la première étape qui est quand même la plus facile, qui consiste à vider. Alors c'est vrai que comme j'ai deux épaisseurs de livres, il y en a plus qu'on pourrait le penser au départ. Je vais essayer de mettre en fait au fond les éditeurs que je lis moins et devant les éditeurs que je lis plus, bien évidemment. Alerte, araignée, 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 araignée. C'est pas une bombe. C'est fini pour la deuxième étape où j'ai réussi à caser mes livres et en plus j'ai l'impression qu'il me reste de la place. Ouh ! Pour vous expliquer, donc en haut à gauche nous avons les Milan Macadam derrière avec les Harlequins. Au milieu nous avons Michel Lafon avec la jeunesse derrière, l'adulte devant. À droite ce sont tous les pockets jeunesse. Du coup ici ce sont les J'ai lu avec sur la droite, c'est R, la collection R. Au milieu, du coup, la collection R aussi. Tout à droite, c'est tout ce qui est JC Lattès, MSK et moi. Ici, donc, on a au fond, c'est tous les livres de mythologie, que ce soit arthurienne, sur les dieux, ce genre de choses. Les vampires aussi. Devant, j'ai mis Harry Potter. Ça fait un petit moment qu'ils étaient à l'arrière, les pauvres, donc je les ai ressortis. Comme ça. Ensuite, à côté, on a tout ce qui est Milady Poche. Encore à côté, là, tout ça, là. On a les Milady Papoche, les Brajlon, Castelmore, Prisma sur la droite au fond et les Hugo devant. En bas, là, on a tout ce qui est livres de poche, donc notamment ceux que je lisais quand j'étais petite. Les Stephen King, la petite pile là, c'est tout ce que j'ai emprunté.
Et puis là, que vous ne voyez pas très bien, ce sont en fait les livres de poche, on va dire adultes. Il y a un peu de tout, il y a du pocket, j'ai lu, du livre de poche, tout est mélangé, mais bon, pour moi, c'est un truc que je préfère regrouper. Au milieu, du coup, on a Albin Michel, donc c'est notamment la collection Wiz, et devant tout ce qui est Black Moon, notamment Twilight. Et ensuite, au bout du bout, là, au fond, c'est un fourre-tout. C'est-à-dire que c'est toutes les maisons d'édition où je n'ai qu'un ou deux livres. Et devant, du coup, ce sont les Gallimard et les Arthur et Minimoy. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remettre la déco. Wouhou! Et voilà, c'est fini. Du coup, je suis super contente, ça m'aura pris une heure. Bon, après, comme j'avais déjà fait du tri, que les livres étaient déjà organisés par maison d'édition, il ne me restait plus que voilà, à vider, à réorganiser, donc c'est vrai que c'était pas très long. Mais donc voilà, je suis contente de ma nouvelle bibliothèque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me dire comment est-ce que vous rangez votre bibliothèque. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous !